Nous retournons dans l'Africa News Room. Notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité, coordonnateur de la diaspora des Sénégalais de France, Amadou Sylla. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal et Gratien Rokindikisa. Après sa participation au sommet sur la sécurité de Lomé à Togo, le président équato-guinéen Teodoro Biangema Bassogo s'est rendu dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis ou encore Koweït. C'était dans le cadre de la préparation du 4e sommet Afrique-Monde Arabe qui se tiendra cette année. Ce sera au mois de novembre à Malabo, en Guinée équatoriale. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembansou. La Guinée équatoriale renforce ses relations avec les pays du Moyen-Orient avant la célébration du 4e sommet Afrique-Monde Arabe qui s'éteindra à Malabo en novembre 2016. Le président Teodoro Biangema Bassogo a débuté une tournée moyen-orientale depuis le 16 octobre 2016 en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Ces différentes visites ont pour objectif d'établir des contacts et signer quelques accords de coopération en faveur des différents secteurs socio-économiques de la Guinée équatoriale. Nous avons signé 3 accords. Le premier est relatif au transport aérien. Notre compagnie nationale CIBA peut maintenant voyager aux Émirats Arabes Unis et vice-versa. Les autres éléments sont inclus dans l'accord de protection réciproque des investissements entre la Guinée équatoriale et les Émirats Arabes Unis. La Guinée équatoriale, comme les autres pays producteurs du pétrole, ont connu un fort ralentissement économique depuis 2013 en raison de la baisse du prix du baril. La tournée du président équato-guinéen permettra au pays d'établir un nouvel axe de coopération basé sur l'économie, la finance, le commerce extérieur, l'agriculture et l'alimentation. Ma visite a pour objectif de présenter une invitation aux investisseurs du Moyen-Orient en général et en particulier ceux d'Abu Dhabi afin qu'ils viennent travailler avec le continent africain. Je leur ai proposé de former une association d'hommes d'affaires. C'est une idée qui permettra le développement de nos pays. À titre de rappel, le premier sommet Afrique-Monde Arabe s'était tenu en Égypte en mars 1977. Un 4e sommet, donc il y en a eu 3 précédents. Le premier remonte à 1977, le dernier c'était il y a 2 ans, c'était au Koweït. Gratien, est-ce qu'on peut parler d'un axe de collaboration qui est vraiment très dynamique, Afrique-Monde Arabe? Non, non, vraiment, il y a des problèmes, on a du mal, surtout le monde arabe, je parle bien des pays du Golfe, pas les pays de l'Afrique, parce que c'est… – Pas l'Afrique du Noir, c'est vraiment les pays du Moyen-Orient. – Oui, alors, il y a un problème de collaboration, il y a un problème d'investissement, on voit bien le Qatar, l'Arabie Saoudite qui investissent en Europe, parfois dans des projets qui ne peuvent pas rapporter beaucoup de choses, alors qu'il y a l'Afrique… Il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et on a l'impression vraiment qu'ils ne veulent pas se tourner vers l'Afrique. Il y a un problème qui s'oppose de ce côté. À un certain moment, on serait dit qu'ils pourraient jouer la concurrence avec Israël, mais ils n'ont pas pu faire, disons, ils n'ont pas franchi le cap. Donc, comment appréciez-vous les rapports et les échanges commerciaux, même diplomatiques, entre l'Afrique et le monde arabe? Bon, assez peu développé. Je pense qu'il faut le développer parce que je pense qu'un sommet Afrique-Monde Arabe est important. Pourquoi? Parce que, en règle générale, bon, vous avez le sommet de l'OCI, l'Organisation de la Conférence Islamique. Il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui sont principalement musulmans et qui prennent part à l'OCI. On a aussi la Ligue arabe. Par exemple, et bon, là, il y a eu un sommet à Nouakchott récemment. Il y a aussi les pays du Maghreb, par exemple, qui s'y retrouvent. Mais jusqu'à présent, les pays qui sont non majoritairement musulmans d'Afrique n'avaient pas véritablement de cadre pour échanger avec les pays du monde arabe, justement. Et je pense que c'est un cadre de concertation qui peut être vraiment intéressant à développer. Il faut y impliquer l'Union africaine pour que ce soit l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Guinée équatoriale ou d'autres, même s'il y en a qui ne sont pas essentiellement musulmans, qui puissent dialoguer avec le monde arabe, ça me paraît important. Et monsieur Sylla, il faut aussi convier les pays du Maghreb, l'Afrique du Nord, à faire le pont entre les pays d'Afrique subsaharienne et les pétromonarchies. Oui, je pense que c'est naturel, quoi. Ça devrait être effectivement le pont par lequel ces rapports-là peuvent se construire. C'est vrai que traditionnellement, les pays du Golfe, ils étaient plus sur l'approche religieuse, c'est-à-dire les pays musulmans. Bon, quand je prends le cas du Sénégal, c'est que
il y a quand même des relations très fluides entre un certain nombre de pays du monde arabe et le Sénégal, pour des raisons qu'on connaît, parce que le Sénégal, c'est 95% de musulmans. Et puis voilà. Mais je pense que les choses changent aujourd'hui, et puis on est dans un nouveau contexte, et donc forcément, il faut quand même dépasser ces considérations-là, et que, voilà, que les intérêts soient mis en avant pour que, effectivement, qu'on arrive à construire de vraies stratégies qui puissent renforcer ce genre de collaboration. Et c'est tout à fait bénéfique pour l'Afrique, mais aussi pour le pays, effectivement, du Golfe. – Alors, Gracien, quand on aura d'un côté un géant, hein, comme l'Arabie saoudite, par exemple, et de l'autre côté des pays du continent, dont on connaît la situation économique qui est parfois dramatique, hein, le partenariat gagnant-gagnant est-il vraiment possible ?– Ah, c'est difficile, surtout qu'on a l'Afrique ensemble. Si on va parler de chaque pays, il y aura des difficultés pour qu'un pays négocie avec l'Arabie saoudite. Comme il a dit, il faut que ça passe par l'Union africaine. Pour moi, il faut que ça soit centralisé, qu'il y ait une coopération qui est, disons… – Donc il faut que ce soit une coopération, par exemple, un pays du Golfe avec tout le continent africain. – Avec tout le continent africain, dans un domaine donné, domaine de l'éducation, domaine de la santé, essayer de voir quels sont les pays qui ont des besoins. On voit mal, par exemple, s'il faut la coopération dans le domaine… ils ne sont pas développés au niveau de l'industrie, ils ne peuvent pas apporter grand-chose. S'ils peuvent apporter des compétences par rapport à l'Afrique du Sud, je pense que ça pourrait être l'inverse. Donc il y a vraiment des difficultés à aborder ce partenariat de gagnant-gagnant. Mais en même temps, on parlait de ces pays. Il y a un pays comme l'Algérie qui pourrait même contribuer plus que ces pays. C'est un pays qui a des moyens, c'est un pays qui connaît bien l'Afrique, plus que ces pays, et aussi qui, oui, on a beaucoup de, disons, des intellectuels qui ont fait des études en Algérie, qui pourraient faciliter les affaires. Alors Daouda, très très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, comment ne pas retomber dans les travers de la coopération avec le géant chinois, une coopération qu'on a très souvent critiquée, hein, parce que justement, pas gagnante-gagnante. – Oui, souvent critiquée parce que pas gagnant-gagnant, pour pas retomber, enfin en même temps, il y a pire, hein. J'allais dire il y a pire. – Ah oui, il y a la France. – Enfin, il y a pire. Donc au moins la Chine vous dit, je construis des routes, je veux des ressources naturelles, ça c'est réglé, c'est clair, c'est transparent, je ne vais pas venir perturber. – Je parle des nouvelles coopérations, je comprends pas bien. Des coopérations avec les anciens colons. – C'était pour vous titiller un petit peu, mais je comprends. Et effectivement, donc pour pas retomber dans les travers, c'est un peu ce que disait Gracien, il faut identifier des pôles vraiment de compétences de ces pays-là et axer la coopération là-dessus. Genre, bon, on sait que les hydrocarbures, c'est un véritable levier pour eux, voir comment ils se sont développés, parce que ces pays, par exemple l'Arabie saoudite, ont leur propre compagnie qui cherche du pétrole, qui exploite et ne font pas venir des compagnies occidentales. Ça pourrait être, par exemple, un axe. Et la deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique, la FAFI 2016, s'est achevée. C'était ce 18 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les participants ont émis le vœu de voir la finance islamique devenir un instrument privilégié du développement des pays ouest africains. En particulier, c'est un sujet de Déo Gracias Podo. Réunis à Abidjan les 17 et 18 octobre 2016 dans le cadre du Forum africain sur la finance islamique, plusieurs centaines d'acteurs économiques ont une nouvelle fois étudié les principaux marchés de la finance islamique sur le continent. La rencontre aura permis d'aborder les opportunités du marché africain, de partager les stratégies pour développer une présence de ce type de financement, ainsi que les perspectives offertes par la filière pour les économies africaines. C'est une finance qui est adaptée au financement de nos économies, adapté au financement des PME, de par le mode de partage des risques, puisque la finance islamique va financer directement l'actif et réduit les besoins de garantie que nos PME ne sont pas toujours capables d'apporter. Depuis quelques années, les États africains semblent manifester davantage d'intérêt pour la mobilisation de ressources à travers la finance islamique. Quelques recommandations ont été validées à l'issue du Forum d'Abidjan pour l'essor de ce type de financement sur le continent. Il s'agit entre autres de la promotion de l'économie numérique, l'insertion de modules de finance islamique dans les programmes de formation ou encore l'accomplissement de diligences en vue de l'émission de soukouks par les entreprises opérant dans le secteur privé. Il y a un certain nombre de pays qui ont lancé des soukouks, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, n'est-ce pas, qui ont lancé des soukouks et ça a été une véritable réussite. On parle d'un montant d'à peu près 600 milliards de francs CFA de mobiliser depuis la dernière édition. Je pense que rien qu'à travers ça, on peut dire que ça a été un bilan positif.
Pour un montant global de 35 milliards de francs CFA, environ 28 000 projets ont été financés ces dernières années en Afrique par la Société islamique de développement. Dans les années à venir, les promoteurs de ce type de financement veulent dynamiser la finance islamique pour la réalisation de projets allant dans le sens de l'émergence des États africains. Monsieur Silla, j'aimerais vous entendre sur ce concept, la finance islamique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors moi je trouve que vraiment le concept, pour moi c'est un vrai paradoxe parce qu'on parle de finance islamique en décriant l'islam, on parle de finance islamique. C'est lié à une religion, à une idéologie. Mais c'est ça le paradoxe. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, on peut parler de finances sans pour autant, effectivement, montrer que peut-être l'idéologie elle-même, elle a aussi des choses positives ou des choses qu'on peut accepter, qu'on peut tolérer. Parce qu'on voit aujourd'hui l'acharnement qu'il y a, effectivement, l'amalgame qu'on crée par rapport, effectivement, à la religion islamique, en tout cas les politiques de façon générale. Et donc, moi, quand on parle de finances islamiques, je veux bien comprendre ce que ça renferme par rapport à d'autres finances. Donc, je ne sais pas le concept. En tout cas, je suis vraiment perplexe par rapport, effectivement, à ce concept de finance islamique. Alors, je n'ai peut-être pas toutes les clés de votre réponse, Monsieur Silla. En tout cas, ce que je sais, c'est que la finance islamique a connu une forte croissance à ses débuts. C'était au Moyen-Orient, bien évidemment, et en Asie du Sud-Est. En Afrique, ce sont les soukouks, les formes d'obligations qui se sont développées. Mais la finance islamique, dans son sens plus général, et tous les services bancaires qu'elle offre, là, c'est encore un marché qui est vraiment sous-exploité sur le continent africain. Daouda. Oui, sous-exploité. Et pour rebondir juste sur ce que disait Amadou Silla, c'est, je pense qu'au moins là, on prouve quand même que les valeurs islamiques ne sont pas que mauvaises, pour certains qui penseraient cela. Donc bon, voilà, on a un outil de financement qui fonctionne très bien, qui d'ailleurs est en croissance dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, on parle de Londres et dans d'autres places. Et je pense que c'est à développer, et vous avez raison, on n'a pas assez bien développé cela, et il faut faire davantage. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé une des recommandations de ce forum, puisqu'on y est, qui consiste à dire pourquoi les institutions de finance, les IFI, là, tout ce qui est FMI, Banque mondiale, etc., quand ils signent ces organismes des conventions de financement conditionné avec les pays, pourquoi ne pas inclure la finance islamique dans ce sens-là ? Puisque, bon, là, il s'agit d'une autre forme de financement qui est quand même très bénéfique, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. – Désolé, Daouda. Gratien, quels sont les avantages de la finance islamique par rapport à la finance traditionnelle ?– La finance traditionnelle, il y a des taux d'intérêt, des fois, qui peuvent augmenter, monter. En Afrique, il y a certains pays où on peut aller jusqu'à 20%. On s'imagine comment on peut avoir une rentabilité. On investit, on a une rentabilité de au moins minimum de 20% pour rembourser. Alors que la finance islamique, il n'y a pas de taux d'intérêt. On réalise des bénéfices. En fait, ils vous prêtent de l'argent, vous achetez un outil de travail, vous le partagez ensemble, vous gagnez de l'argent, vous allez partager. Donc finalement, il n'y a pas, si vous perdez de l'argent, vous n'allez pas vendre vos biens pour, disons, payer. Mmh. Ce qui fait que c'est ce qu'on a vu dans certains pays en Afrique. C'est un segment de finance d'avenir, en tout cas. Le continent doit compter, doit miser sur la finance islamique. Moi, je suis pas musulman, mais en même temps, je dis que c'est vraiment la finance qu'il faut à l'Afrique, la finance islamique, même pays et, pour les pays et justement, chrétiens. Du coup, Gratien, j'aimerais rebondir, c'est que la finance islamique n'est pas destinée uniquement aux musulmans. Oui, c'est aussi là le paradoxe. Oui, c'est une finance qui est adaptée à tous les pays, y compris surtout même pour les catholiques. Pourquoi paradoxe ? J'allais dire, Amira, pourquoi paradoxe ? Non, paradoxe, pour que les gens comprennent et intègrent bien que la finance islamique, on pourrait penser que c'est destiné aux musulmans, c'est pas du tout le cas. Oui, tout à fait. Et donc, en cela, c'est une réelle opportunité pour le monde. Merci Daouda, on va terminer sur ces jolis mots. Merci Amira, un plaisir partagé toujours. Et bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous également, Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. Et merci à vous, Monsieur Silla. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la diaspora sénégalaise de France. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de participer à cette antenne. Plaisir partagé. Merci. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain en cette semaine spéciale Start-up africaine. Merci de nous suivre chaque soir et à demain.